Pour ma part, je me présente très rapidement. Je m'appelle Jérôme de Dinechin. Je suis président d'Estimam International depuis cet été et j'ai découvert l'approche de Jean Monbourquette il y a 8 ans, 7 ans, 8 ans, dans un séminaire, sur un atelier sur l'ombre que j'ai beaucoup apprécié et qui m'a ensuite donné envie d'approfondir. Je suis dans la vie coach. J'accompagne beaucoup de gens en développement personnel ou professionnel. Nous nous référons beaucoup à Jean Monbourquette. Jean Monbourquette a été prêtre et docteur en psychologie et il a beaucoup travaillé sur une approche articulée entre ce domaine psychologique et ce domaine spirituel. Il a été conférencier apprécié, auteur prolifique et auteur à succès. Certains de ses livres, dont vous voyez les titres en bas, ont été traduits en 12 langues. Et son premier thème a été justement le thème du deuil dans sa propre découverte de sa mission personnelle et de ce qu'il souhaitait faire de sa vie et partager au plus grand nombre. Jean Monbourquette s'est éteint en 2011 et en 2010, avec notamment l'aide d'Isabelle d'Apremont, qui a travaillé avec lui pendant une dizaine d'années, ils ont fondé Estimam International, qui est donc une association qui travaille entre le Canada, l'Europe, Suisse, Belgique, France, et qui vise à prolonger et développer son œuvre, les travaux qu'il a pu faire sur ces questions de l'estime de soi, du pardon, du deuil, de la mission et bien d'autres sujets. Estimam International développe, promeut, construit des ateliers, forme des animateurs de manière à rendre accessible au plus grand nombre un parcours de développement et de croissance personnelle qui articule justement bien mieux qu'on ne le fait souvent ces questions du psychologique et ces questions du spirituel. Et aujourd'hui, l'une des actions principales d'Estimam International, c'est l'école Jean Monbourquette, une école qui forme et accrédite des animateurs pour les différents thèmes que je viens d'évoquer. Il y a déjà une trentaine d'animateurs qui donnent des ateliers et proposent vraiment à qui veut d'expérimenter ces différentes stratégies de croissance personnelle. Il y en a autant qui sont en formation, on en est à la troisième promotion française pour le moment. Donc, une association qui est jeune, qui est en développement et dont on espère qu'elle va bien grandir pour le profit de tous.